Et nous voici enfin au moment tant attendu. Celui de votre dialogue hebdomadaire avec les grands cinéastes. Cette semaine, Arnaud Desplechin est l'invité idéal pour évoquer les influences dont il parsème ses films. Quand l'influence de Hitchcock était trop forte, je sautais dans les bras de Bergman. Et quand l'influence de Bergman était trop forte, je sautais dans les bras d'Hitchcock. Et puis, nous explorerons Rome avec le meilleur des guides, Federico Fellini, dans un voyage autobiographique à travers cette ville qu'il a si bien filmée. Le cinéma d'Arnaud Desplechin, que ce soit avec Roi et Reine, Jimmy Pay ou Un conte de Noël, est avant tout un cinéma romanesque, c'est-à-dire qu'il fait appel à l'imagination, aux rêves et aux sentiments. Il y a 2 ans, je rencontrais Ismaël. Vous n'avez pas d'enfant? J'ai aimé des hommes mariés. Ah, bon, en ce moment, je suis célibataire, donc ça ne nous laisse pas beaucoup de chance, quoi. Ah ben non. Ok. On racontait qu'il avait perdu une femme. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? Je l'ai jamais su. À l'occasion de la sortie en DVD des Fantômes d'Ismaël, histoire dans laquelle un homme, réalisateur, est pris entre 2 femmes, nous avons ouvert avec Desplechin une conversation généreuse qu'on aurait voulu ininterrompue. Je suis toujours hyper emballé de vous retrouver pour parler de cinéma, parce que quand on parle de votre cinéma, on en arrive toujours à parler du cinéma des autres, et c'est ça que je trouve formidable dans nos discussions de cinéma. Puis il y a des réalisateurs admirables qui ne sont pas cinéphiles du tout, et qui ont besoin de solitude pour fabriquer leurs films, et moi j'aime bien faire des films peuplés par les films des autres. Et alors sur ce film-là, sur les Fantômes d'Ismaël, qui est une explosion de fiction, les références déboulent comme ça, avec frénésie. Jacques, tu es parisien maintenant? Non, juste de passage. Tu ne saurais pas par hasard si Dédalus traîne dans les bureaux? Alors Dédalus, il était en poste à Vienne, mais depuis, pas de nouvelles. Il y a 2 histoires. Il y a l'histoire de ce diplomate qui a disparu et qui était le frère du réalisateur. C'est joué par Louis Garrel, qui a disparu. Voilà. Et moi, je pensais très fort, tout le début du film me fait penser très fort Broadway et Danny Rose. Vous voyez, il y a cet agent artistique joué par Woody Allen, hein, comme ça, qui a disparu. Et alors, des comiques, comme ça, se retrouvent dans une brasserie et racontent c'était qui Broadway et Danny Rose. Alors voilà, ça, c'est un film qui m'a inspiré énormément. Et qui est Dédalus? Bah, justement, je voulais lui parler cet après-midi. Mais il semble qu'ils vont être disparus. C'était sa spécialité, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, vous vous souvenez des rumeurs. Je suis pas le seul parmi nous à avoir parfois pensé que Dédalus était... un ange. Ou un espion. C'est là où arrive Laura. Si je me suis dit, ben, c'est un type, sa femme a disparu il y a 20 ans. Et il l'a jamais enterrée. Elle est morte, sûrement. Elle est plus là, elle est finie. Ça fait 20 ans qu'il est veuf. Et voilà qu'il vient de rencontrer, il y a 2 ans, Charlotte Gainsbourg, avec qui commence une histoire. Et chez lui, il y a toujours un portrait qui me fait penser au portrait du film de Preminger. Parce qu'un jour, ivre d'alcool et ivre de rage, il a déchiré toutes les photos de la femme aimée et il lui reste plus que ce portrait. Et donc, c'est la seule image qu'il est. Et voilà, ils partent à la mer, ils partent à Noirmoutier pour terminer son scénario et revient sur la plage, la femme qui avait disparu il y a 20 ans. Vous êtes Sylvia? La compagne d'Ismaël? Oui. Parce que je suis sa femme. Le retour d'une vivante qui revient des morts, évidemment, ça a convoqué Vertigo, bien sûr, le fait qu'une femme disparaisse et puis revienne à la vie comme ça, la puissance du cinéma. Oui, de faire comment cohabiter son amour actuel et son amour passé, c'est tout impossible. À fait le thème de Hitchcock. C'est le thème d'Hitchcock. Vertigo, vous me disiez la dernière fois que vous aviez un rituel, c'est qu'en général, vous montriez un film à votre équipe pour montrer la direction que vous viviez. Ouais. Quel a été ce film par rapport au Fantôme d'Ismaël? Ben, si vous voulez, je vous racontais comment j'ai sauté dans les bras du cinéma américain. Et alors là, pour l'équipe technique, j'aurais montré Persona de Bergman. Ben oui, parce que vous avez ces 2 femmes dans cette île qui sont enfermées en face à face. Et alors, une plutôt silencieuse, l'autre plutôt bavarde. Et du coup, il y a une perfection plastique dans Persona. Donc, si vous voulez, quand l'influence de Hitchcock était trop forte, je sautais dans les bras de Bergman. Et quand l'influence de Bergman était trop forte, je sautais dans les bras d'Hitchcock. Voilà, c'est un peu le principe du film. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh, je crois que tu le sais.
Les fantômes d'Ismaël est ce qu'on appelle un métafilm, c'est-à-dire un film sur un film. Vous mettez en scène votre propre film puisque nous suivons un réalisateur en pleine écriture et tournage de son film. Alors, je vais vous proposer deux films qui parlent de ce genre-là, qui sont Chantons sous la pluie ou Les ensorcelés de Minelli. Ouais. Votre goût va où ? Les ensorcelés de Minelli est merveilleux, y compris le deuxième volet, qui est 15 jours ailleurs, qui est un film formidable, qui est un film plus bizarre. Les ensorcelés, c'est un film de grande forme. Le 15 jours ailleurs est un film malade, mais c'est un très beau film avec Kirk Douglas qui revient et qui rencontre Edward G. Robinson quand il tourne un film en Italie, etc. Qui est un film magnifique sur le cinéma, assez déchirant. Et ça, j'ai beaucoup revu les Minelli. J'aimerais citer un autre film qui n'est pas sur le cinéma, mais qui est un film qui m'a marqué très fort quand je l'ai vu, je crois que je devais avoir 17 ans, qui est Providence d'Alain René, qui a longtemps été introuvable en DVD, qui est un film très très étrange et qui raconte une nuit de John Gielgud, qui est un romancier, et qui essaye de réparer sa vie à coup de fiction. Et ça, j'ai l'impression que ça décrit assez bien mon projet. C'est ce pauvre Mathieu Amalric qui est déchiré entre ces deux femmes. Il ne sait plus quoi faire, il est perdu, c'est trop pour lui. Il s'enfuit, son frère le déteste, le maudit, mais quand même, il aimerait bien le retrouver, etc. Et du coup, comment est-ce qu'il essaie de réparer sa vie avec des lambeaux de fiction, en inventant des histoires? Et ça, du coup, je peux dire que le film d'Alain René est un film qui aura compté très fort pour moi dans ma vie de cinéphile. Les producteurs ont vu les rushs de Tchéquie, ils comprennent rien. Ta monteuse me dit qu'elle sait pas quoi faire, y a pas de dialogue. Et l'ingénieur du son est un gros con. Non mais tu peux virer qui tu veux, moi je m'en tape. Moi je reviens avec des rushs, avec des silhouettes qui parlent, on sait pas de quoi. C'est des scènes de voix off. Tu rajoutes un narrateur. Dans le film, on célèbre un metteur en scène qui a cette qualité, il a redéfini le monde. Ouais. Quel metteur en scène aurait ce rôle-là pour vous ? Redéfinir le monde. Alors c'est plutôt un metteur en scène de cinéma du réel. On voit écrit en hébreu cinéma du commentaire quand il va faire sa conférence en Tel Aviv. Et je pense à deux personnes. Une personne qui aura redéfini pour moi, qui est Claude Lanzmann. Et je pense aussi à Fred Wiseman, qui aura redéfini les États-Unis. Par exemple, une série télé qui est aussi belle qu'un film, qui est The Wire. Je pense que jamais The Wire n'aurait été inventé s'il n'y avait pas eu les films de Frederick Wiseman avant. J'ai énormément d'admiration pour le dernier film de Frederick Wiseman sur la bibliothèque à New York. Donc, est-ce que c'est un portrait de l'un, est-ce que c'est un portrait de l'autre? Mais je crois que c'est deux hommes qui, par la puissance de leur cinéma, l'un ayant parlé de la Shoah et l'autre ayant défini toutes les institutions américaines, ils ont réussi à changer le monde un peu. Dans votre film, Mathieu Amalric, réalisateur, a une devise: avancer masqué. C'est aussi la vôtre. De quel acteur vous auriez aimé arracher le masque pour voir ce qu'il se cache derrière? Je pense à Nanni Moretti. Et alors Nanni Moretti, il a inventé ce truc génial, c'est qu'il se déguise en lui. Vous voyez, c'est ça. Ouais, et ça, je trouve ça sublime. C'est-à-dire qu'il dit, alors, ce serait l'histoire de Moretti. Évidemment que vous ne savez rien de Moretti. Le personnage, je l'ai rencontré une fois, est beaucoup plus secret, beaucoup plus mystérieux que ça, etc. Mais il se déguise en lui-même pour inventer des personnages. Et ça, j'ai l'impression que c'est assez proche de ce que je demande à Mathieu. C'est Mathieu, il se déguise en Mathieu. Et évidemment que le personnage d'Ismaël est très, très loin de Mathieu. Mais il se déguise en lui. Et du coup, ça fait une espèce de truc ludique. Alors, un tel personnage, Moretti, vous avez envie de dire, oui, mais alors tu es drôle, tu es spirituel, tu es ronchon, tu es mauvais caractère, etc. Mais il y a quoi derrière? Vous avez envie d'arracher le masque pour voir l'homme derrière. Merci beaucoup, Arnaud Desplechin. On se retrouve très prochainement pour reparler de Tinoche. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Les choses les plus belles sont celles que j'ai inventées, confié Federico Fellini. Avec 20 longs métrages à son actif, de la Dolce Vita 8,5 en passant par La Strada, il aura créé l'un des univers les plus fascinants du cinéma. En 1972, il réalise son 13e film Fellini Roma, une histoire autobiographique qui mêle ses souvenirs et ses fantasmes de Rome, sa ville d'adoption. Et dal doni romani s'agit, cavalier. La donna romana. Un culo così. À l'occasion de la ressortie en DVD Blu-ray d'une copie restaurée, nous avons demandé à Jean Gilly, historien et spécialiste du cinéma italien, de revenir sur cette œuvre pleine de rêves et de grotesques. La prima immagine di Roma è stata questa. Un pietrone mangiato dal tempo che sorgeva in mezzo ai campi, proprio all'uscita del paese. Alors d'abord, il faut préciser que le titre original, c'est simplement Roma. C'est l'exploitation française
qui a voulu ajouter cette appellation de Fellini, c'est donc devenu Fellini Roma, mais au départ, en Italie, le titre original, c'est tout simplement Roma. Et je crois que de la part de Fellini, c'était une sorte de dette de reconnaître le rôle qu'avait joué Rome dans sa vie de créateur. Fellini, c'est un provincial. Donc, qui vient de Rimini, qui est sur la côte adriatique. Absolument. Et donc, il arrive à Rome à 19 ans. Alors, c'est quelque chose qu'il faut toujours souligner. Fellini, c'est un provincial. C'est un type qui a d'abord un univers relativement étroit. Et il faut attendre qu'il tourne Il Bidone. Et surtout, Juliette des Esprits, pour que Rome envahisse son cinéma. Nous voici à Rome. Les trains étaient arrivés exactement à l'heure prévue, car c'était l'époque du fascisme. Et chacun sait que nous devons au fascisme deux grandes réalisations. La guerre contre les mouches et les trains qui arrivent et repartent à l'heure. On peut dire que Roma, c'est un film autobiographique, parce que le seul vrai personnage de ce film, c'est Fellini. Comme il avait utilisé Mastroianni, il prend un alter ego pour se raconter. Le film débute par l'arrivée d'un jeune homme à Rome, à la gare de Termini, en 1939, son installation dans une pension de famille. Signora! Signora, è arrivato col signorino che gli ha scritto la lettera alla Madre dell'Arte d'Italia. Faccio passare. C'est un film qui libère chez lui un imaginaire qui a besoin de se disperser dans différentes directions. Il ne s'agit pas d'écrire une histoire avec un début, un milieu, des chapitres et une fin et un épilogue. En fait, il s'agit de mettre bout à bout des blocs presque autonomes, parce que dans le fond, si on regarde Roma, on pourrait le diviser en autant de chapitres et en autant de courts-métrages. Mmh. Hein, il pourrait y avoir le court-métrage de la fête en plein air où tous les convives du quartier se réunissent, de Trastevere, se réunissent pour manger en plein air. Il y a l'épisode du raccord annulaire, de l'autoroute qui entoure Rome. Et chacun de ces épisodes pourrait être isolé et présenté même tel quel. La force et la poésie de ce film, c'est que Fellini mélange aussi deux temporalités. Une ville écrasée par le passé, sa mythologie, et une ville en prise directe avec la modernité, et notamment cette séquence où on creuse le métro à Rome. Fermate la presa! Fermate la presa! Les temporalités, elles sont multiples. Il y a d'ailleurs aussi les temporalités de Fellini lui-même. Il y a les temporalités de l'enfance, il y a les temporalités de l'adolescence, il y a la temporalité du jeune homme qui arrive à Rome. Et il y a enfin la temporalité d'un homme en pleine maîtrise de ses moyens. Quand on pense que ce sont les années, là, quelques années d'intervalle, il vient de tourner le Satyricon, il va tourner à Marcord, donc Roma au milieu. Sans doute trois des films les plus importants d'une filmographie qui, par ailleurs, est d'une richesse exceptionnelle. Volevamo parlare con lei. Cosa c'è? Domandarle se in questo film il ritratto che lei ha intenzione di fare di Roma avrà un punto di vista obiettivo riferito ai problemi drammatici e eternamente risolti della società attuale. Et dernier volet de ce film autobiographique, c'est que Fellini, en nous dépeignant cette fresque qu'est Rome, nous dépeint une ville de contraste, une ville de grotesque. Et le grotesque et le caricatural, ça n'est jamais très éloigné. Et c'est important de le rappeler parce que la caricature, c'est la première forme d'expression artistique de Fellini puisqu'il a commencé comme dessinateur de caricatures. Absolument. Et il va le rester toute sa vie puisque, vous savez, Fellini était quelqu'un qui avait un besoin de créativité considérable. Évidemment, pour lui, le moment le plus magique, le moment où il s'épanouit complètement, c'est le tournage. Et l'autre activité, c'était le dessin. Et ces dessins, il faut bien se rendre compte qu'ils avaient deux fonctions. Une fonction, c'était le pur plaisir de dessiner.
et de maintenir en éveil sa créativité. Et puis l'autre aspect, c'était aussi dessiner les costumes. C'était quand même une manière de cerner la dimension figurative des films. Par exemple, dans Roma, le final défilé de mode ecclésiastique est un des sommets de la figuration fellinienne. Modello numéro 2, Tortorelli Immaculé. Cornetta inamidata con ali ventilanti, utili per ambienti difettosi di aerazione. Et là, donc, on part du grotesque d'un certain nombre de vêtements ecclésiastiques, les prêtres qui se déplacent sur des patins roulettes. Passiamo ai modelli sportivi, au paradis toujours plus vite. Ou sur des petites bicyclettes pour les prêtres de campagne, dit le commentaire. Mais ensuite, il y a l'apparition du pape, et tout d'un coup, on bascule du grotesque dans une tension dramatique. C'est un moment comme cela, une sorte d'élévation au sens religieux du terme. Il y a énormément de réalisateurs italiens qui ont filmé Rome. Le plus romain d'entre eux, c'est Roberto Rossellini. On se souvient en 1945 de ce film, Rome, ville ouverte. Et pourtant, j'ai l'impression qu'avec Roma, c'est Fellini, lui qui n'est pas romain, qui a mieux compris, exploré peut-être l'âme des Romains. C'est vrai que le regard de quelqu'un qui arrive d'ailleurs est souvent un regard plus pénétrant que le regard de celui qui est né dans un lieu et qui finalement y est habitué et n'en voit pas la singularité. Dans Roma, Fellini certainement brosse le portrait le plus détaillé, le plus complexe, le plus divers, le plus imagé. En fait, tout y est, quoi, y compris les personnages les plus étranges, jusqu'à arriver finalement à croiser Anna Magnani. Federì, va a dormire, va. Posso farti una domanda? No, non me fido, ciao. Buonanotte. Merci beaucoup, Jean-Gély. Non, c'est moi. La semaine prochaine, il vous faudra choisir. Vous êtes plutôt indien ou cow-boy? Car nous vous parlerons du western au cinéma. Et puis, notre invité a cette particularité d'avoir des ailes. Wim Wenders sera avec nous pour nous parler de ses anges gardiens de cinéma.